وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Quand Allah Ta'ala dit qu'il a fait descendre le Coran la nuit de l'Qadr, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que le Coran en entier a été révélé la nuit de l'Qadr? Est-ce que cela veut dire qu'il est descendu en entier la nuit de l'Qadr? Les savants ont expliqué cela, barakallahu fikum. Que quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Allah Ta'ala l'a fait descendre de l'Lawh al-Mahfouz, des tablettes gardées, vers le ciel le plus bas, la nuit de l'Qadr. La nuit de l'Qadr en entier. Puis après cela, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les 23 années de sa mission. Alayhi salatu wa sallam, séparément et dans des situations disparates. Donc, c'est-à-dire il est descendu la nuit de l'Qadr de l'Lawh al-Mahfouz, des tablettes gardées, jusqu'au ciel le plus bas, puis il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les différentes situations pendant 23 ans.